là, la 34. C'est des 1000 mètres. Donc on va dire c'est la première, on va dire mitrailleuse polyvalente. Par exemple, moi, nous, on a des modèles donc, comme ça. Elle pouvait donc monter sur la fête, exactement le même, comme beaucoup de MG, mais donc utilisée par les fantassins, donc c'est-à-dire qu'elle pouvait être sortie très facilement. Après, il suffit de faire ça, hop. Et le fantassin pouvait l'utiliser avec son bipied. Dans cette configuration-là, un soldat pouvait tirer jusqu'à 3500 mètres. Donc là, c'est en position défensive. Donc le soldat se mettait derrière et avait donc une gâchette déportée. Donc avec un jeu de tringlerie, en appuyant, ça appuyait directement sur la gâchette. Aussi, le système était pourvu d'un sélecteur de tir. Parce que les 34, en fait, avaient comme particularité de pouvoir tirer en coup par coup en rafale. Ensuite, on a sa visée. Qui permet de viser, mais la particularité aussi, c'est de pouvoir tirer de nuit. Alors c'est pas une vision de nuit, c'est juste en fait le soldat avait à côté une batterie avec un système de lampe qui permettait d'éclairer l'objectif. Donc c'est à dire que de nuit, s'il savait à peu près où était l'ennemi, donc la réticule était allumée et il pouvait tirer. D'accord. Donc après, bien sûr, il y avait un petit débattement pour pouvoir faire un balayage. Et après aussi, on pouvait la régler comme on voulait. Donc, les réglages ici. Aussi, on pouvait régler les pieds. Donc les pieds peuvent, soit on peut la baisser, soit on peut la lever. Et donc, juste, donc là, la fête, il faut compter à peu près 20 kilos. 20 kilos sur le dos. Donc, avec le barda et tout. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça un groupe MG était composé minimum de. Il y avait à peu près 3 personnes. Donc il y avait le tireur MG, il y avait le pourvoyeur, premier pourvoyeur. Donc le pourvoyeur, lui, avait les caisses à munitions. Donc une caisse à munitions comme celle-là, pleine, il fallait compter 12 kilos. Il y en avait deux. Plus tout son bardage. Par contre, il n'y avait pas de fusil. Il avait juste, comme moi, il avait juste un PA. Parce que lui, il était aussi formé là-dessus. C'est-à-dire que si le tireur venait à disparaître, lui, il pouvait prendre le relais. Ensuite, après, il y avait aussi le chef, lui qui coordonnait tout ça. Après, le groupe pouvait être composé d'autres, encore de pourvoyeurs, qui eux aussi pouvaient porter des caisses à munitions, la lafette, et aussi des fusils, des machins. Donc tous les groupes tournaient autour de ça. Que ça, c'était l'arme principale qui permettait de pouvoir attaquer ou défendre.